Bonjour Noélie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre structure? Alors, donc, je suis Noélie Leborne-Louarn, chargée de recrutement et de développement à l'ADMR Les Novins Océanes. Donc, l'ADMR, c'est une association de services à la personne. Merci. Et pourquoi êtes-vous présente aujourd'hui au Oblige? Pour recruter des personnes sur l'été, notamment pour nos remplacements, mais aussi pour pérenniser nos emplois. Ça peut être aussi des recrutements pour toute l'année. Là, c'est vrai que c'est essentiellement sur la période d'été. Et pour quels emplois est-ce que vous recherchez du personnel? Donc nous, à l'ADMR Les Novins Océanes, on a besoin de recruter des personnes pour remplacer donc nos titulaires. Ça peut être autant des aides à domicile qui n'ont pas forcément de qualification spécifique à avoir, et ça peut être aussi des auxiliaires de vie, des aides-soignantes, où là, il y a des techniques spécifiques à connaître et donc du coup, qu'on a besoin aussi de remplacer sur l'été. Du coup, quels sont les profils les plus recherchés pour vos contrats? C'est plus aide à domicile, c'est-à-dire des plannings qui seront adaptés aux compétences des jeunes qui n'ont pas forcément trop d'expérience. On va être sur l'entretien du logement, l'entretien du linge, sur la préparation des repas et sur l'aide aux courses, par exemple. Et quelle est la durée des contrats proposés? On recherche de mi-juin à peu près jusqu'à mi-septembre, essentiellement aussi juillet et août forcément. Et au niveau du nombre d'heures, on a besoin de contrats, on va s'adapter à ce que les jeunes peuvent nous proposer. Mais c'est vrai qu'on va être plutôt sur des 30-35 heures sur l'été. Et on ne fait pas travailler les jeunes le week-end non plus, parce qu'on sait qu'on a une vie et ça peut être plus sympa. Du coup, les horaires de travail, ça va être en journée essentiellement et la semaine? Tout à fait, c'est ça. On va être sur à peu près 7h30, 8h, les premières interventions de la journée, et vers 19h30, 20h, les dernières interventions. Sachant que si on est positionné sur les petits déjeuners, par exemple, on ne fera pas les repas du soir. On essaye d'équilibrer les journées. Et faut-il avoir le permis ou être véhiculé pour postuler chez vous? Chez nous, oui, effectivement, il faut véhiculer permis. Notre secteur est assez étendu. On n'a pas la possibilité de proposer une tournée, par exemple, qui se fait sur du transport en commun. C'est vrai que le véhicule et le permis est indispensable. Et si je suis intéressée, comment dois-je postuler? Auprès de qui est-ce que je dois m'adresser? Alors, c'est moi-même. Vous pouvez envoyer du coup un mail sur recrutement au singulier LO comme Les Novins Océanes, @29.admr.org, ou m'appeler tout simplement au 02 98 42 68 35 ou au 06 38 19 96 20. Merci d'avoir répondu à nos questions.